mais qu'est-ce qui se passe encore? J'en ai marre qu'on m'appelle comme ça tout le temps. Regarde là, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Regarde par toi-même. Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que t'as installé dans la chambre de Lily? Mais j'ai rien fait, c'est pas moi. Mais pourquoi t'as installé des coffres forts dans la chambre de Lily Rose? Mais c'est pas moi, je te le dis. Non mais, regarde. Vous êtes là, les petites chauves-souris. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, vous êtes enfin là. Je vous attendais depuis longtemps. Non mais, et Lily Rose, elle est où? Bah Lily Rose, justement, je sais pas, je la cherche. Bon, écoute. C'est toi qui as mis ça là? Bah pardi, tu veux que ce soit qui? Non mais pourquoi t'as mis des coffres forts dans... Attends. Que je t'explique. Non, n'ouvre pas. Non, mais comment ça, n'ouvre pas? Bon, oui, pourquoi t'as ramené ça ici? Alors, je vais vous faire une petite épreuve, les petites chauves-souris. Alors, dans chaque coffre-fort, il y a une potion. Comment? D'accord? Attends. Non, c'est moi qui explique. T'as ramené tout ça dans la chambre de Lily Rose? Voilà. Et dans chaque coffre-fort, il y a une potion. Oui, exactement. Alors, attention, parce qu'il n'y a qu'une seule potion qui est bonne. Alors, vous êtes obligés de choisir un des coffres et de boire la potion. Et pourquoi on jouerait à ton jeu là? Bah ouais, j'ai pas envie de. Ça veut dire qu'on a une seule chance de tomber sur une bonne potion et les autres c'est des potions qui vont nous pourrir la vie encore une fois. Et oui, vous êtes obligés de jouer parce que sinon je vais vous jeter à ça et comme ça vous resterez immobile toute la journée. Bon, allez, bouge de là. Allez, je vous laisse. Il est où Papa Pink? Ouais, parce que lui il doit jouer aussi. Allez, appelle Peppa Pink, appelle Peppa Pink. Papa Pink, viens voir. Non mais c'est quoi son jeu? Tu l'as vu installer? Bah non, je suis arrivé, il y avait ses coffres. Ah, elle a dû virer Lily Rose de sa chambre pour installer tout ça. Oh, je sais pas toi, mais j'ai pas envie de boire cette potion. Ah ouais, non, mais moi j'ai pas envie de jouer à son jeu, vous rendez compte les amis? Ah bah... Vous êtes là? T'as vu la sorcière? Bon, je sais pas, elle m'a raconté une histoire de coffre avec une potion, il fallait la boire et tout. Alors, regarde. Hein, c'est quoi ça? Elle a installé plein de coffres-forts, il y en a combien? Il y en a 6 là. Elle a installé 6 coffres-forts et elle nous a dit dans chaque coffre-fort il y a une potion. Sauf qu'il n'y en a qu'une seule de bonne et les autres c'est des mauvaises. Et Lily Rose elle est où au fait? Bah je sais pas. J'espère qu'elle n'est pas partie de la chambre à cause de la sorcière. Parce qu'elle a dû fuir. En ce moment on n'en peut vraiment plus de la sorcière, du coup ça m'étonnerait pas que Lily Rose soit tout simplement partie. Bah, qu'est-ce qu'on fait alors? Elle dit si on participait pas au jeu, ça allait être pire. Donc bon. C'est encore un coup de. Oh là là, ouais. Qu'est-ce qu'elle nous a préparé? Valentin, commence. Bon, d'accord. Comme ça, on va. Vas-y, Valentin. Ah, ça me fait plaisir de faire plaisir. Ouais, je suis content. Pour une fois que vous me faites confiance. On doit en choisir qu'un. Ah oui, pourquoi il y en a. Et alors, il y en a un bon ou. Apparemment, il y a une bonne potion. Ah, tu veux boire celle-là? Senga, ouais. Bon, c'est ouvre. Ok. Oh, ça a l'air de quoi ça? C'est tout bleu là. C'est quoi ça? On dirait un médicament. Bon, moi, je crois qu'il a pris la bonne potion parce que, regarde, c'est une belle couleur. Ouais, ça sent pas bon. La sorcière, elle est spécialiste quand même. Hein. Elle pourrait très bien avoir mis une belle couleur pour une potion dégoûtante. Sans, regarde, vas-y. Oh non, je sens pas. Bon les amis, j'ai surtout peur de ce qu'elle pourrait faire si on joue pas à son jeu, parce que c'est une très mauvaise joueuse la sorcière. Stop. Faut pas tout boire. Non mais on sait pas de quoi elle est capable, des fois quoi. Bah apparemment ça a l'air d'aller hein. Ça va? Ouais. Je vois plus rien. Quoi? Comment ça tu vois plus rien? Vous êtes où? Ici. Mais ouvre les yeux. Ils sont ouverts mais je vois plus rien. On est là. Non, tu plaisantes. Non, je plaisante pas. Ah, j'ai peur. T'es devenu aveugle. Ah, il y a un mur. Oula. Non, attends, reste. Va, assieds-toi sur une chaise. Je vais mettre une chaise. Assieds-toi sur une chaise. Attends. Je m'en doutais que c'était pas une bonne idée. Il est devenu aveugle. Bah oui, forcément, il y a que des mauvaises potions dans son truc. À mon avis, la bonne potion, c'est une potion qui annule tout, alors. Ah, bah je sais pas. C'est quoi ce que je tiens? Écoute, non, touche à rien, tu vas tout casser. Bon, les amis, c'est à moi. Je vais me débarrasser de ce jeu. Bon. Souhaitez-moi bonne chance en commentaire. Allez, celui-là. Allez. Ah, peut-être que j'ai de la chance, hein. Regarde, on dirait de l'eau. Ça tombe, c'est une bonne potion. Ouais, c'est peut-être un piège aussi. Ouais, attends. Et vas-y, je le fais goûter au chat d'abord. Alors, vas-y, le chat. On va voir s'il aime bien. Ah, il le sent, mais. Ouais, non, il veut pas le boire. Hein. Il veut pas. Le chat, il veut pas boire la potion. Bon, allez, les amis, allez, 1, 2, 3. ST bang. Bah, tu vois. J'applaudis. Ah, mais c'est dégoûtant. Tu vois toujours rien, Valentin? Ah, c'est dégoûtant. Ah, mais je crois que c'est juste de l'eau de la forêt. Mais moi, ça m'a rien fait.
Bon, par contre, je suis désolé, mais ça veut dire que moi, j'ai eu la potion qui fait rien. Bah attends, peut-être que la potion, elle a des effets dans 5 minutes. Oui, vas-y, prends ce que tu veux. Alors, ce coffre-là, bon, Valentin, ça va? Ça va, et toi? Non, mais tu pourrais regarder la caméra, quand même. Mais elle est où, la caméra? Ah oui, bah, c'est vrai. Elle est là? C'est vrai, t'es à ici? Bon, t'inquiète pas, on va devoir régler le problème. D'accord. Oula! C'est comme la bleue, elle a l'air... Elle est de belle couleur, mais bon. On dirait de la grenadine. Le garde-chat, il veut aller dans le coffre. Ouais, non, pas dans le coffre. Il veut boire une potion? Attends, je vais lui faire. Non, est-ce que tu sens? Non, on sait pas. Attends. Non? Oh, bah il a pas l'air de vouloir goûter. Oula! Oh là là, il a pas l'air d'aimer du tout. Bon, vas-y. Bon, allez. Vas-y. T'es sûr? T'en avais pris combien? Allez, dépêche-toi, Peppa Pink, là. Comme ça, on en termine avec ce jeu et on peut tout débarrasser pour que Lily Rose reprenne sa chambre. C'est un goût de. Un goût d'ortie. Voilà, je pense que... Ah, attends, je m'écarte. Valentin, tu devrais t'écarter aussi. Viens, okay. Qu'est-ce que tu fais là, comme ça? Hein, t'es toujours assis, tu fais rien. Mais toi, là, Esteban... Non, moi, j'en ai marre, là. Mets les chats. Allez, pousse les chats. Vous avez rien à faire ici. Non, je suis ta voix. Je suis ta voix. Allez, pousse, le battant. Qu'est-ce qui se passe, là? Et Lily Rose, elle est où? Attendez, je pars. Viens, Valentin, viens. Il faut qu'on appelle la sorcière. Sorcière, t'es où? Viens. Sorcière, rendez-vous au sous-sol. Sorcière. Oh là là, je vais me cacher dans le shop. Surtout, faut jamais ouvrir le mauvais coffre avec la sorcière. Bon, ça va? Ça tu t'en va. Sors? Bah, j'essaie de pas tomber des escaliers. C'est oh, tout. Mais ça va, pour un aveugle, tu t'en sors quand même pas mal, je trouve. Bah, ça gagne mémoire musculaire. T'inquiète. Allez, c'est parti. Dans le shop. Le shop? Oui, ici, viens. Oui, bah oui, c'est vrai, il est aveugle. Alors moi, je lui parle comme si qu'il voyait tout. Bon, assieds-toi. Non, assieds-toi. Oui, bah, par terre, voilà. D'accord. Voilà, comme ça, c'est bien. De toute façon, ça devrait revenir petit à petit. Ouais. Allez. Bon, là, j'ai appelé la sorcière, on va... Il n'y a plus qu'à espérer qu'elle vienne. Bon, je m'en doutais qu'il fallait pas choisir le mauvais coffre-fort. Enfin, pour ma part, ça va, mais on sait jamais combien de temps ça dure avec la sorcière. Bon, pour ça s'améliore ou pas pour toi? Bah, je vois tout flou, mais je vois un peu. Mais flou. Ok. J'arrive à... T'es à peu près par ici, c'est ça? Oui, bah... Je vois une forme. Temps, il y a ma voix. Bon, sorcière! T'es là? Ah, bah voilà! Ah, je vous cherchais! Alors, qu'est-ce que ça donne? Viens voir. Qu'est-ce qu'il a gagné? C'est moi qui ai gagné, enfin si on peut parler d'un gagnant. Regarde comment tu les as rendus. La sorcière, elle est là? Oui. Ouais. Ah, bah tu me vois là? Tout flou, mais... Il a bu la potion d'aveuglement. Il voit plus rien. Ah, ça m'étonne pas, ça marche bien. Ah, bah toi, t'as apparemment pris la bonne potion. Hein, ouais, bah moi, je suis parti des chanceux, on va dire. Papa bon, Pink, je sais pas, oui, bah... Il est où, bah, Papa lui, Pink? Lui, il a eu un sort de rage, il est ultra en colère. Ouais, bon, écoute, on l'entend d'ici, écoute, d'ailleurs. On a joué à ton jeu, on t'a fait plaisir. Maintenant, on débarrasse tous tes coffres, là, rends-le normalement. Allez. Bon, d'accord, attends, j'ai ce qu'il faut. Rends-le normal. Voilà. Tu vas boire une petite goutte, vas-y, ouvre la bouche. Oula, j'ai... Normalement. Oula, je sais pas si c'est le bon plan, ça. Voilà. Bon, ça, au moins, si ça marche et qu'on est tranquille. Ça va? C'est bon, je vois tout. Bon, il faut que je donne ça à Papa Pink. Donne-moi la potion, je lui donnerai pour toi. Bon, par contre, toi, débarrasse tes coffres et repars dans ta forêt une bonne fois pour toutes. Hein. On va pas jouer à tes jeux tous les 4 matins. Ah, c'est dommage que Lily Rose, elle était pas là, je me serais bien amusé. Allez, dehors. Bon, en tout cas, je me suis bien amusé. Allez, je vous ai bien eu. Va chercher Peppa Pink. Dommage que t'as pas pris la mauvaise potion. Il doit être énervé. Ah oui, c'est vrai. Et maintenant, il faut régler le problème de Peppa Pink. Bon, c'est revenu direct pour ouais, toi. Ouais, c'était efficace. Faut trouver Peppa Pink maintenant. Oui, bah, il... à mon avis, il est là, mais j'ai peur de l'appeler. Comme il est un peu énervé. Vous êtes où là encore? Vous êtes où là? Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous faites pas le ménage? Tiens, Peppa, attends. C'est quoi ça? C'est quoi? Vite, bois ça. Faut boire ça, mais pourquoi? Oui, vas-y, tu vas boire. Bon, allez. Allez. Ça allez, va. Oh, c'est pas bon, c'est. Ah. Bah, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi j'ai ça dans les mains, moi? On nous a jeté un sort. On a ah oui, c'était la on a joué au jeu des potions et bah voilà, on s'est fait piéger. Enfin bref, un truc habituel avec la sorcière, quoi, tu connais. Non, mais bon. Écoute, moi, la prochaine fois, on joue plus à ces jeux bizarres, là, de prank. Non, mais de toute façon, là, si on jouait pas, elle nous aurait jeté un sort, quoi qu'il arrive. Donc, comment on s'est débarrassé de ça? J'espère que le jeune n'a pas bu de potion, par contre, parce que sinon... Non, il va bien, regarde. Il est pas aveugle, il est pas énervé. Et dans les autres coffres, il y a peut-être d'autres potions. Ouais, mais on peut pas les ouvrir, c'était un par personne.
Tant pis, c'est pas grave, on les jette, on les boit pas. Ah oui, bah les coffres, si elle vient pas les récupérer, je les jette. Bon, les amis, vous avez compris, ne jamais choisir le mauvais coffre avec la sorcière et surtout, ne jamais boire les potions de la sorcière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et surtout, cliquez sur une vidéo qui apparaît à l'écran. À la prochaine, allez, ciao! Bye bye!